Bonjour, bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien en chat. Vous me dites super ton son ou affreux. Comme ça, je serai au courant. Il est officiellement 11 h, donc on va commencer tout doucement. On va atteindre allez, 3-4 minutes de plus le temps que tout le monde arrive. Alors juste pour la petite précision, parce que ouais, c'est pas facile, mais en fait avec l'App Store, on utilise le compte de Julien, qui est notre capitaine. Et du coup, c'est pour ça que quand je parle, en fait, c'est comme si Julien parlait, mais en fait, c'est moi. Il n'y a pas Julien et moi, il n'y a que moi. C'est juste que ben, on utilise son compte. Voilà, c'était un petit tip qu'il fallait savoir. Ce qui serait trop cool, c'est aussi que vous me disiez, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, quelle expérience vous avez eue avec la technique des personas? Est-ce que c'est un truc dont vous avez jamais entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement ou que vous avez utilisé une fois pendant vos études parce que c'était un exercice, mais aujourd'hui vous comprenez pas trop l'intérêt que ça peut avoir et justement c'est ce que vous voulez découvrir. En même temps, si vous voulez me raconter un petit peu d'où vous venez, comme ça me permet de m'adapter. Est-ce que vous êtes chez l'annonceur? Est-ce que vous travaillez en agence? Est-ce que vous êtes à votre compte? Ce genre de détails qui pourront être utiles aussi. Parce que, idéalement, je voudrais aussi répondre à vos questions. Ce serait tout l'intérêt. Voilà. On va attendre encore une ou 2 minutes le temps que tout le monde arrive et puis on va démarrer tout doucement. J'ai mis donc comme temps 1 heure maximum. Je sais pas si on les fera et de toute façon, moi je vais essayer de faire en sorte de pas dépasser. C'est-à-dire que j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des agendas à respecter, des rendez-vous, des calls à faire juste après. Mon objectif, c'est pas de vous mettre en retard, donc je vais essayer de respecter ça. Alors, coucou Hélène, coucou Laurence, coucou Julien, salut Isabelle, bonjour à tous, bonjour à tous. Trop bien, super le son, génial, merci. Alors, Céline, tu me dis, persona vu en étude, puis mis en place une première fois en entreprise, mais non utilisée, deuxième tentative en cours pour un nouveau marché. L'idée serait d'avoir des tips pour bien s'en servir une fois établi. Eh ben ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Alors ouais, j'ai appelé ça utiliser le persona pour mieux répondre à vos clients. C'est pour mieux répondre à leurs attentes, pour mieux générer des solutions pour vos clients. C'est tout ça. Si ouais, vous avez vu cette technique-là, que vous n'arrivez pas à l'utiliser dans des vrais projets avec un vrai client qui un vrai budget derrière, bah, c'est pas mal de faire la méthode qu'on va voir. Parce que je l'ai moi-même utilisé, on verra notamment une étude de cas, avec un client, on l'utilise en ce moment avec d'autres clients, et pour l'instant, on n'a eu que des bons retours. Donc, j'espère que ce sera aussi votre cas. Il est 11 h 03, on va démarrer. Je vais vous partager mon écran. Tac, je partage mon écran. Hop. Bam. Dites-moi si vous voyez bien la présentation. Je vous laisse taper aussi, ouais, je vais finir de taper. Je vous ai demandé tout en même temps. On va bien. Merci Hélène. Ouais, on va bien, trop cool. Du coup, j'ai une question pour vous, parce que je n'ai été que du côté formateur, je n'ai pas été du côté utilisateur, et je voudrais bien savoir quelque chose. C'est est-ce que pendant que je présente mes petits slides, vous continuez de me voir ou ne vous voyez que mes slides? Ce serait hyper intéressant de savoir. Je vais taper. On te voit toujours, on te voit en miniature en dessous. Ok, donc moi j'ai sensiblement la même chose que vous. Je me vois en miniature dessous. Et je ne savais pas si vous voyez la même chose. Alors, Julien, tu me dis, je connais la méthode du persona, mais je n'ai jamais appliqué. Je développe des emballages, je trouve intéressant d'appliquer cette méthode pour concevoir au mieux les packagings complètement, mais complètement. Alors, que ce soit pour les packagings, même pour autre chose.
Peut-être que vous êtes plutôt sensible à ça, mais de plus en plus, on en parlait hier avec un UX designer, les grands groupes notamment sont les premiers à faire le pas de recruter justement tout ce qui est UX designer, UX researcher, et ce genre en fait de profil qui est capable de leur fournir de l'étude, mais pas une fois quoi, c'est de leur faire un suivi continu de recherche utilisateur. C'est les faits que tes projets soient portés autour de ton utilisateur aujourd'hui, c'est hyper important pour vous dire aujourd'hui la profession, on est pratiquement autant recherché qu'un développeur. Alors, à savoir qu'un développeur, c'est peut-être le métier le plus recherché au monde parce qu'il en faut pour tout. Et c'est vraiment bénéfique pour nous et ça nous fait très plaisir de voir que bah, même dans les grandes entreprises, pardon, aujourd'hui, l'utilisateur est vraiment mis en avant et vraiment pris en compte et que les gens pensent comme ça, en fait. Il y a un état d'esprit qui se développe pour se dire, ben, je vais pas une marque juste pour faire du bénéfice, une marque pour faire répondre à un utilisateur. Il y a un bénéfice derrière, tant mieux. Mais si elle répond à mon utilisateur, c'est ça ma vraie victoire. Ok, on est parti. Je reviens sur les petits slides. Tac. Alors, déroulé du webinaire, rappel du persona, je ne sais pas exactement encore tous à quel point vous connaissez le persona. Certains m'ont dit qu'ils l'avaient vu pendant les études, qu'ils ne l'avaient pas forcément utilisé professionnellement. Mon but, là, au début, ça va être qu'on se mette sur le même niveau d'information, qu'on soit tous à peu près... OK, sur c'est quoi le persona, l'image qu'on peut en avoir en tête. Ensuite, on va voir comment le construire. C'est pendant cette étape 2 où on va vraiment passer le plus gros du webinar. C'est vraiment la méthode UX design pour construire un persona utile. Trois, les erreurs à éviter. Pendant tout le webinar, en fait, je vais essayer de vous essaimer plein de petits tips pour éviter de faire des erreurs quand vous allez appliquer cette méthode-là. Mais au cas où, je vais quand même rajouter à la fin les quatre grandes erreurs qu'il faut absolument éviter et que on retrouve malheureusement beaucoup trop souvent. Et enfin, en quatre, on va ouvrir nos esprits pour les limites parce que malgré que ce soit une très bonne méthode et qu'elle soit très bien appliquée, il y a quand même des limites. Et ces limites, quand on sait qu'elles existent pour une bonne méthode, on s'inquiète de à quel point ça peut être biaisé quand la méthode est mal utilisée ou quand on est parti sur un peu des mauvaises méthodes, en tout cas. Donc on va voir quelles sont ces limites parce que tout n'est pas factuel, tout n'est pas. Si vous faites appliquer la méthode, vous n'avez pas 100% de chance de réussir, etc. Pour se mettre avec ça. Bon, on va le voir tout à l'heure ensemble. Hop, un perso quoi, un persona développé par ce monsieur qui s'appelle Alan Cooper, qui est du coup la personne qui est un chercheur, mais avant tout un développeur justement, et qui est la personne qui a développé cette méthode. Alors c'était en 99, donc vous voyez, c'est hyper récent. De façon générale, en fait, les métiers très centrés utilisateurs sont pas nouveaux, mais le fait qu'ils soient plébiscités, connus, reconnus, ça c'est très récent. La méthode des personas, elle date de 99. Le fait que ben, aujourd'hui, les grandes entreprises, comme j'en parlais il y a 2 minutes, soient friands de profils qui soient centrés utilisateurs. Ben, ça date de 10 ans, même pas. Et encore aujourd'hui, on a un vrai déclic autour des entreprises et du fait que ce soit nécessaire. Donc, ce sont vraiment des métiers nouveaux, entre guillemets. Donc, vous rencontrerez difficilement, en fait, un monsieur ou une dame avec 30 ans de bagage sur la recherche utilisateur. En tout cas, sur les métiers nouveaux comme le UX chercheur, le UX designer, etc. Si vous cherchez, Persona sur Internet. Parce que j'ai fait l'expérience, je me suis dit, mais si je cherche Persona sur Internet, je vais tomber sur quoi? J'avais un peu peur et j'ai eu des bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Il y a un truc que j'avais trouvé, qui est la phrase que vous voyez en bleu, c'était sur une sorte, un équivalent de Wikipédia en fait. C'était des grandes définitions et j'en ai, il y avait deux définitions. La première qui était
Technique de conception dédiée à l'optimisation de l'expérience utilisateur digitale. En fait, je voudrais que vous preniez avec des pincettes ça. Si vous vous mettez à chercher Persona sur Internet ou si vous faites votre propre recherche à côté de ce webinaire sur Internet, sur comment je fais un Persona, etc., parce que vous êtes totalement libre d'avoir de documentation à côté pour mieux vous nourrir, etc. Juste sur cette définition, ce qui est important de noter, c'est qu'on dit optimisation d'expérience utilisateur digitale. Et là, dans notre tête, on imagine tout de suite l'utilisateur sur son écran, si vous savez, sur son site internet. On se dit, ah ben ouais, on va optimiser son parcours et tout. Non, 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 c'est pas ça. En fait, la conséquence, ça va être l'optimisation d'expérience utilisateur. Votre persona, il ne sert pas à ça. Votre persona, il sert à développer des idées, des solutions, il sert à prise de décision, ce genre de choses. La conséquence de ça qui va ensuite découler, c'est la suite du projet, le développement de maquettes, etc. Et à ce moment-là, ouais, il y aura tout à fait une expérience utilisateur digitale qui sera optimisée, etc. Les techniques pour agir directement sur l'expérience utilisateur, sur son optimisation vraiment en direct, ça va plus être des techniques comme les tests utilisateurs. Les tests utilisateurs qui se font plus tard dans les projets. Quand, par exemple, pour les sites internet, on a déjà des maquettes, on a déjà des wireframes. Et ben là, on va faire des tests utilisateurs et oui, là, je suis d'accord, on optimise en direct. Le persona est une personne fictive, dotée d'attributs, etc., etc., caractéristiques, et qui représente un groupe cible. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je l'ai mis en gras. Parce qu'en fait, la constat que j'ai fait de ma propre expérience, des gens qui gravitent autour de moi, c'est qu'on a tendance, en fait, inconsciemment, hein, à se réduire le persona à une personne. Mais ce n'est pas vrai. Le persona, ce n'est pas une personne. Le persona, c'est un groupe de personnes. Et c'est la fusion de ces comportements de groupe qui va former un persona. C'est ça qui est important. Mais on va le voir dans la méthode que je vais vous présenter juste après. La partie groupe est très importante, en fait, pour développer un persona qui est efficient, hein, efficace, utile. Exemple typique de persona, c'est un truc que il m'a passé qu'elle avait fait il y a des années. C'est le truc qu'on a peut-être tous pu faire à un moment ou à un autre. Le fameux persona fait sur un template un peu qu'on a trouvé, qu'on s'est dit bah, je vais le remplir et ça le fait. Et justement, l'idée c'est que ok, ça ressemble à ça un persona, qu'on soit tous d'accord avec ça. Mais si vous me ressortez un persona comme ça, c'est-à-dire pas dans la forme mais dans le fond, je parle du fond, à la fin de ce webinaire, ben c'est que j'ai pas réussi à vous faire passer la pilule parce que c'est pas ça, le persona. Ça, c'est un persona à la limite étudiant, mais professionnellement, ça ne vous sert à rien. Parce que dans la forme, on a bien l'idée du persona. Alors, dans la forme, ça peut changer. Ici, on voit à droite, on a les attentes, on a les motivations, objectifs, freins. Ça dépend des personas. Il y a des personas, par exemple, qu'on va rajouter les états émotionnels. Il y a des personas où on n'est pas forcément de biographie, on est plutôt une user story. C'est une petite pratique différente. Et c'est ça qui est difficile, en fait, avec cette méthode-là. Peut-être vous l'avez ressenti vous-même, vous me direz dans le chat. Mais en fait, moi, je me rappelle il y a des années quand j'ai commencé à faire mes premiers personas parce que j'étais dans la communication. Je me suis dit, en fait, personne n'est d'accord sur ce qu'il faut mettre. C'était à nous d'un peu identifier ce qui pouvait être intéressant. C'était hyper subjectif de dire, ouais, là, j'ai envie de mettre un peu objectif parce que j'ai vu qu'il y avait ça dans un autre persona. Donc, cet autre persona, je ne sais pas s'il était bon. Parce que là, par exemple, on a mis attente ou motivation, mais parce que ça se trouve, la personne qui a fait ce personnage que vous voyez, l'avait elle-même pris ou s'était inspirée de quelque chose avant, et peut-être qu'elle s'est inspirée de quelque chose qui n'était pas bon à la base. Et du coup, en fait, ça fait une espèce de cercle vicieux où chacun essaie de s'inspirer de ce que l'autre a fait, sauf que aucune méthode n'était bonne à la base, et du coup, on se retrouve avec un petit peu tout et n'importe quoi dans les personas.
Pour donner des exemples, là, on est sur, enfin, dans notre, on est sur Marc Dupré. Déjà, le fait qu'il ait un nom, un prénom, ça peut paraître important, mais en fait, pas du tout. On s'en fout complètement qu'il s'appelle Marc Dupré ou pas. Motivation, opportunité, rapidité, sans déconner. Enfin, je pourrais le caler dans énormément de personas, opportunité, rapidité, ça ne me sert à rien. Je ne vais pas pouvoir prendre des décisions avec ça. Je ne vais pas pouvoir trouver une solution demain à un client parce que j'ai mis opportunité dans la persona, franchement. Il y a des trucs aussi, type frein, les coûts. Vraiment. Enfin, bien sûr, les coûts, c'est pas ça qui nous a, qui c'est pas un comportement, ça, c'est un fait. Ouais, bien évidemment, du coup, ce sera toujours un frein. Là, je crois que c'était sur un truc de transport. Si je me rappelle bien ce que m'a dit mon ami, c'est un truc sur le transport. Et du coup, il y avait tout un truc de marchandises, etc. Et là, dans la bio, je vois que Marc a deux enfants. Je m'en fous, enfin, ça ne m'aide pas. Okay, pourquoi tu me dis pourquoi il y a marqué qu'il y a deux enfants, ça ne m'intéresse pas. Le fait qu'il ait un côté famille, ok, c'est génial si tu as un produit sur la petite enfance, par exemple. Si tu as un produit sur la petite enfance, des compléments alimentaires ou des trucs comme ça. Ouais, ok, là, le fait que t'as un profil qui a un côté famille, peut-être que ça va être utile pour prendre des décisions, le fait qu'il y ait deux enfants aussi, ce genre de choses. Enfin, là, pour un gars qui est dans le transport, les comportements qu'il va avoir, qu'il ait deux enfants ou pas, on s'en fout. Et il y a d'autres trucs aussi, c'est que pour tous ceux qui ont fait et qui ont une base de marketing, on a tous entendu parler des CSP, les fameuses catégories socio-professionnelles. Alors, j'ai eu tous les avis. Il y en avait certains qui me disaient que les CSP, c'était méga important. D'autres qui disaient que les CSP, c'était mort. Aujourd'hui, on fait du tribal marketing, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'idée qu'il y a des tribus. Et c'est pas bête en soi, parce que qui dit tribu, qui dit comportement similaire. L'exemple que tout le monde aime bien sortir sur le tribal marketing, c'est la communauté des gamers, qui en fait sont des gens radicalement différents, mais qui à un instant T, ils ont le même comportement. Pour autant, on peut se permettre de rajouter un âge, enfin, si dans vos personas, c'est que là, je vois qu'il y a marqué que c'est 45 ans. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas qu'on puisse rajouter un CSP type qui a 45 ans, ou des trucs comme ça. Toutes les catégorisations comme ça, encore, moi, je ne les jetterai pas, parce que je sais que le... Quand même, l'âge, c'est un facteur qui est quand même assez révélateur parfois, mais pas tout seul. C'est la formation secondaire. C'est la catégorie socio-professionnelle, un peu les caractéristiques type l'âge ou ce genre de choses, est-ce qu'il habite, ça va être vraiment les informations secondaires. Les informations vraiment importantes, ça va être tout ce qui va être sur le comportement. C'est ce qu'on va voir juste après. Pourquoi vous faites un persona? Ça, c'est un truc vraiment, ça me paraît évident aujourd'hui, mais c'est vrai que ça ne l'est pas forcément. C'est quoi ton intérêt de faire un persona? Aujourd'hui, on peut faire un persona, certes, c'est une bonne méthode, la méthode persona, mais pourquoi? Enfin, est-ce que dans ton projet, dans là où tu es en ce moment, est-ce que c'est une bonne méthode? C'est ça la question. Est-ce que ton projet il est déjà avancé, il est pratiquement fini, et du coup, non, là, on va faire une méthode persona, c'est un petit peu trop tard, quoi. Tu vas te rajouter du temps que tu n'as peut-être déjà pas. Parce que si tu l'as déjà fini, ça peut-être c'était déjà la course dans ton projet, que tu sois tout seul ou que tu sois en train de travailler avec une équipe. On a tous des deadlines, des temps à partie pour remplir certains projets, parce qu'il faut justifier le budget, etc. Ouais, donc est-ce que ton projet il est au tout début et t'as déjà récupéré de la donnée et tu te dis je sais pas trop comment l'exploiter, et là ok je suis d'accord, ton persona il a un intérêt, c'est sûr. Si tu n'as rien, tu n'as aucune idée de qui tu t'adresses, tu n'as aucune donnée, c'est vraiment le tout début, tu viens d'avoir l'idée, non, c'est un petit peu trop prématuré pour te dire c'est le moment de faire un persona, alors attendre un petit peu. Le persona, son but, c'est aider à la prise de décision, c'est générer des idées, des solutions,
Je ne sais pas si vous connaissez les méthodes design thinking. Ils sont en fait des méthodes d'innovation, de gestion de l'innovation qui sont utilisées par beaucoup de designers, hein, peu importe nos spécialisations. Et dans cette méthode de design thinking, par exemple, il y a une partie qui est hyper importante, qui est l'idéation. Et typiquement, dans l'idéation et dans les méthodes de design UX, ben, le persona, il est dedans. Le persona, il n'est pas avant dans l'exploration, il n'est pas après dans la maquette, il est dans l'idéation, le persona. Mettre la team au même niveau d'information. Pourquoi? Parce que ça arrive régulièrement que vous soyez en groupe quand vous faites ce genre d'exercice. Et en fait, il y a des interprétations. L'objectif, c'est quand même que vous ayez de la donnée en amont pour construire le persona. Et cette donnée, ben, peut-être que vous allez l'interpréter d'une façon, mais que la personne en face de vous, qui n'est peut-être pas du même service ou qui est d'un service similaire, mais qui a un vécu différent, ne l'interprétera pas de la même façon. Et si, de base, quand vous écrivez vos personas, et là, on commence à un petit peu voir les limites, on en reparlera à la fin de ce webinaire, vous n'avez pas la même interprétation de certaines choses, alors que c'est vraiment écrit noir sur blanc la même chose, eh ben, ça va commencer à être difficile. Et du coup, il va y avoir des incompréhensions. Donc, le but, c'est aussi d'évacuer les incompréhensions, mais aussi, peut-être que vous n'êtes pas aussi, comment dire, le commercial, par exemple, sera, lui, beaucoup plus à même de connaître l'étendue d'un mot derrière un profil. Il dit, OK, il a dit cette phrase-là, c'est parce que je sais que le gars, il est comme ça, et qu'il habite là, et que, enfin, dans sa tête, c'est carré. Alors que vous, bah, qui êtes peut-être au service marketing ou ressources humaines, vous vous dites, mais moi, je ne le connais pas, ce type, hein, je ne l'ai jamais vu. Et du coup, bah, vous me donnez des données, mais moi, moi, je ne les connaissais pas avant. Donc, oui, merci de me les donner. Et du coup, ça sert à ça, le persona. C'est que comme c'est un outil interne aussi, pour qu'en fait toutes les équipes qui soient menées à travailler sur un projet X puissent le consulter et se dire, ah mais d'accord, il est comme ça, on travaille pour ça parce que les gens ils sont comme ça. Ben, c'est beaucoup plus clair pour moi, mes tâches sont beaucoup plus claires à l'avenir, etc. Pareil pour les incompréhensions. Ah ben ok, on se met d'accord sur le fait que ça c'est plutôt comme ça. Eh ben, c'est la suite du projet. Si vous arrivez tout de suite à désamorcer en fait les incompréhensions dès le début du projet, au moment où vous devez être en train de traiter la donnée pour fabriquer un livrable qui va vous permettre d'idéater, eh ben, si les incompréhensions sont soufflées maintenant, votre projet il va être tellement plus simple. Vous allez tous être sur la même longueur d'onde parce que vous avez le même angle de vue. Et vous allez travailler beaucoup plus simplement. Ça va être, enfin, beaucoup plus, ça va être vraiment plus agréable pour toute la team de travailler vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, si vous n'avez pas ça en tête, si vous n'avez pas ces objectifs-là de pourquoi je fais un persona avant même de commencer à faire votre persona, il y a un problème. Posez le stylo, posez l'ordinateur, arrêtez-vous et dites-vous, mais pourquoi je fais un persona? Quel est l'intérêt de le faire? Où est-ce que j'en suis dans mon projet? J'avais rapidement parlé pendant que je disais pourquoi les objectifs du persona. On a parlé de données et que c'était dans ce cadre-là qu'il fallait faire un persona dans votre projet. Et oui, si vous n'avez pas de données, vous ne faites pas de persona. Vraiment, parce que. Quand je parle de données, je parle de données réelles. C'est trop arrivé trop souvent que je constate, en fait, c'est un persona qui se fait à partir de la donnée. C'est de la donnée, c'était parce que machin, il a connu Michel, qui a une mère qui est comme ça. Mais c'est pas possible, c'est pas de la donnée réelle. Et du coup, la donnée réelle, c'est quoi? La donnée réelle, c'est des entretiens individuels, des focus groupes. Les entretiens individuels, ça ressemble beaucoup à des interviews, en fait. À la limite, c'est pour la donnée qualitative. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de quantitative avec tout ce qui est Google Analytics, qui est très bon aussi, si vous avez, surtout si ça fait plusieurs années que votre site y tourne, vous avez posé des balises par-ci, par-là, eh bien, vous avez des données comportementales qui sont juste géniales, des patterns que vous pouvez comparer les uns aux autres pour commencer à récupérer toutes ces petites données, vous faire une petite base de données avec tout ce que les gens, comment les gens agissent.
Et vous pouvez rajouter par-dessus tout ça, ce quantitatif, du qualitatif qui sera. Je vous conseille vraiment de faire du qualitatif si vous voulez faire un persona. Ne vous basez pas que sur le quantitatif. Le qualitatif, comme on l'a dit, c'est des entretiens individuels, des focus group. Un entretien individuel, c'est une interview avec un guide d'entretien que vous menez pour, avec un utilisateur, idéalement un utilisateur concerné. Parce que comme on parlait de la petite enfance tout à l'heure avec les compléments alimentaires, si vous prenez un routier qui n'a pas d'enfant, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, il va vous répondre à vos questions, mais ce ne sera pas pertinent, quoi. Ouais, donc les utilisateurs concernés par votre projet, de les interviewer, et une interview, ça peut durer jusqu'à 45 minutes. Jusqu'à 45 minutes. Alors, au début, non, parce que mais plus vous allez travailler, plus vous allez expérimenter le fait de faire des interviews, plus vous allez chercher, en fait, poser de plus en plus de questions, rediriger vos questions pour passer d'un sujet à l'autre, explorer des choses auxquelles vous ne vous attendez pas avec la personne qui va se livrer de mieux en mieux, parce que vous, en tant qu'animateur, parce que vous êtes animateur, je sens, à ce moment-là, vous serez encore mieux. Ouais, c'est hyper utile et ça vous permettra d'avoir des personas, de pouvoir commencer à travailler vos personas de façon vraiment hyper qualitative, parce que votre donnée derrière que vous avez récupérée en interview, elle est hyper qualitative. Et c'est inestimable de voir des vrais verbatims, c'est-à-dire des mots pour mots de ce que les gens vous disent avec leur vocabulaire à eux. Eh bien, ça va vous aider vraiment énormément pour la suite, c'est-à-dire pour commencer à construire votre persona, d'avoir cette donnée-là. C'est génial. C'est juste génial. Hélène, tu me dis, le qualitatif permet de créer des cartes d'empathie ensuite, alors que le quanti, pas vraiment. Tout à fait. Alors, dans les méthodes de design UX, en fait, ce qui est marrant, c'est que si vous vous intéressez au sujet, on a plein de techniques. On a des dizaines et des dizaines, il y a des techniques, il y en a plein. Mais, en fait, toutes ces techniques, vous pouvez l'utiliser les uns avec les autres. Et, en fait, vous pouvez faire une sorte de chronologie. Et vous pouvez commencer par une technique qui est vraiment au tout début, en mode récupère la donnée, la veille, etc. Vous pouvez utiliser une autre technique pour faire justement récupérer la donnée qualitative avec des entretiens. Vous allez utiliser une autre technique pour la formaliser sous forme d'un persona, donc en utilisant la technique du persona. Vous allez utiliser une autre technique après qui va être des expériences map, les cartes d'empathie, comme le disait Hélène, et qui sont encore utiles pour autre chose après. Et en fait, toutes ces techniques, on peut les utiliser indépendamment en fonction de la demande de vos clients, de votre demande à vous. Mais surtout, on peut les utiliser toutes ensemble pour avoir vraiment un suivi de A à Z et avoir un retour et des livrables hyper consistants à la fin. Et par exemple, les cartes d'empathie et expérience map sont des techniques qu'on utilise en général après persona. On peut le faire avant, mais je vous recommande de le faire après, et qui sont hyper intéressantes parce que justement vous allez vous baser sur les états émotionnels de la personne à un moment T. Et pour si vous avez un parcours en tête pour votre enseigne, pour votre magasin, pour votre site, et ben, ça peut être très 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 pratique de en faire un en plus du personnage. Mais ça, on le verra une autre fois dans un autre webinaire. Pour l'instant, on va se concentrer sur les personas. On fera les expériences map, les cartes d'empathie une prochaine fois. Hop, comment créer un persona? Allez, on commence la méthode pour créer un bon persona avec une étude de cas. C'est un client dans le burger, mais qui se valait responsable. Et là, vous vous dites, oula, un burger, mais responsable. Et vous allez voir que ça a été hyper intéressant, en fait. Quand vous voulez mettre sous forme toute cette donnée que vous avez récupérée grâce à vos interviews, grâce à toute la donnée un peu quantitative, grâce au focus group, etc., je vous conseille d'utiliser des post-it. Donc, c'est vous prenez des post-it, vous avez un tableau ou un mur, et vous les posez. Et ça, typiquement, le « je n'aime pas déjeuner seul dehors », en fait, c'est des choses que les gens me disent mot pour mot. Il y a des interviews que j'ai faites, et que les gens me disent mot pour mot, je me commande souvent
Les burgers, donc je les commande, c'est-à-dire que je ne mange pas dans l'enseigne, en fait, je les commande avec des trucs genre Deliveroo et tout. Faudrait un burger plus sain, okay? C'est des trucs qu'on m'a dit mot pour mot, et en fait, tout ça, toutes ces données que j'ai récupérées, c'est de la donnée qualitative, eh ben, je la pose sur des post-it, et en bas, eh ben, je vais marquer, par exemple, je n'aime pas déjeuner seul dehors, j'ai interrogé dans mes interviews 10 personnes. Parce que, je vais mettre, je n'aime pas déjeuner seul dehors, c'était l'utilisateur 1. Je commande souvent pour les burgers, c'était l'utilisateur 2. Et je vais noter ce que chacun a dit et ajouter en bas de mon petit post-it, comme ça, quel était l'utilisateur qui a dit ça. Comme ça, je vais pouvoir les retrouver après. Et la prochaine étape, c'est de faire des grandes catégories. Quand vous avez toute cette donnée-là, attribué à des utilisateurs, vous allez en fait pouvoir les trier entre guillemets en faisant des grandes catégories. Par exemple, je n'aime pas déjeuner seul dehors et je commande souvent les burgers. Eh bien, c'est la façon dont tu as de manger en fait. C'est la façon dont tu as de manger, c'est seul à plusieurs. Est-ce que c'est en restaurant ou est-ce que c'est chez toi? C'est la façon dont tu as de déjeuner. Donc j'ai créé une catégorie déjeuner, en sachant que ça, dans ma tête, ça correspond à la façon dont tu allais déjeuner. Ensuite, tu avais une catégorie ingrédients qui était plutôt portée sur le goût, le nombre d'ingrédients. Il y en a qui aiment beaucoup de toppings, il y en a qui aiment justement que ce soit très simple, et il y en a qui sont friands de certains ingrédients et sauces et qui peuvent vraiment faire la différence. On avait une, justement, c'était une fille que j'avais interrogée, qui me disait, mais s'il y a de la sauce barbecue et des bouquins, du coup, ça, je dirais, je l'ai noté en mot pour mot, et je l'ai retenu, et aujourd'hui, je me fais une catégorie ingrédients, tout ce qui a goût, ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, où je vais mettre toute la donnée. Donc, bien sûr, là, c'est hyper simplifié, il y a beaucoup plus que ça, normalement, il y a plus de catégories, il y a plus de données, mais c'est que je voulais pas vous perdre. On va faire, c'est très compréhensible, même avec ça. C'est juste pour vous donner l'idée. La teneur, donc, c'était plutôt, consistance du machin, savoir est-ce que c'était vraiment très gras, est-ce que c'était sain, qu'est-ce qu'ils en pensent. La personne, il y a quelqu'un qui me disait, c'était un garçon qui me disait, moi je pense burger, je pense gras, inconsciemment en fait. Et on se pose pas forcément la question, mais le fait de l'avoir fait parler sur ça, il m'a dit, ah ouais, c'est en fait je pense gras. Alors qu'une fille justement, elle disait aussi que c'était gras, mais qu'elle aimerait bien que ce soit un petit peu plus sain. C'est ce genre de catégorie de teneur. Et on a aussi la catégorie culpabilité qui était hyper intéressante, c'est qu'en fait les gens mangent des burgers, veulent se faire plaisir. Il y en a une personne, une autre personne qui était une autre fille qui disait, elle parlait de petites Nils et c'était ses mots à elle, que j'ai d'ailleurs j'avais noté mon mot parce que j'avais adoré. Elle disait en fait elle s'en fait une fois par mois, c'est qu'elle veut pas le faire trop régulièrement parce que sûrement elle est comme l'autre personne. Comme le garçon, c'est-à-dire que dans sa tête, burger est gras, mais elle aime bien se faire plaisir, elle se fait un petit plaisir une fois par mois. Ce que j'ai constaté, c'est en fait, même si elle le fait une à deux fois par mois, ce qui en soi n'est pas le plus excessif, eh bien, elle était coupable. En fait, elle se sentait coupable de le faire parce qu'elle se disait, mais enfin, il n'y a pas dû, c'est pas forcément hyper sain pour moi. Enfin, je fais plein d'efforts à côté pour être bien dans mon corps et là je me sens coupable d'avoir fait ça, mais ça m'a fait plaisir, mais en même temps je me sens coupable, il y a cette espèce de conflit qui était hyper intéressant, du coup je fais une catégorie. L'idée c'est qu'une fois que vous avez ces grandes catégories qui représentent un petit peu ce qui se passe dans la tête de vos utilisateurs, vous allez vouloir faire des axes. Des axes, ça ressemble à ça, en gros, ça peut prendre la forme que vous voulez, mais il faut que ça représente à peu près ça. C'est, j'ai repris les grandes catégories, j'ai fait déjeuner, teneur, ingrédients, culpabilité, et j'ai fait des axes. Et en fait, à l'intérieur, j'ai mis des oppositions. Tout ce que je vous présente là, si vous avez la donnée qui vous attend derrière ou vous avez déjà récupéré, vous pouvez le faire demain. Là, j'ai mis des oppositions. C'est-à-dire que pour la façon de déjeuner, j'ai mis une opposition entre déjeuner à plusieurs ou déjeuner seul. Pour la teneur, déjeuner sain ou gras. Pour les ingrédients nombreux, ou plutôt très peu d'ingrédients, mais ceux que j'aime. Pour la culpabilité, est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle est faible? Ça ne me touche pas d'avoir mangé des burgers, je trouve ça normal. Je ne me prends pas trop la tête avec le fait de manger un burger.
Je fais ces axes comme ça. Et vous vous rappelez, on avait dit, là, sur les post-it qu'on mettait à chaque fois qu'il y a une phrase qui est prononcée, donc il y a un post-it, pour chaque post-it, je mets un utilisateur. Donc, par exemple, parfois il manque de goût, ça va être l'utilisateur 5. Donc j'avais noté utilisateur 5. Parfois où j'aime, il faudrait faire un burger plus sain, c'était utilisateur 2. Et tout ça, en fait, une fois que j'ai fait les grands axes, et que du coup, j'ai mes grandes catégories, je vais les placer, ces utilisateurs, mais sur ces axes-là. Donc là, j'ai fait avec quatre utilisateurs, parce que sinon, il y en avait trop et que ce n'était pas clair. Je voulais que ce soit le plus clair possible pour vous. Et évidemment, si vous l'appliquez demain, cette méthode, idéalement, vous avez interviewé 10 personnes, au moins. Et alors, en général, on ne dépasse pas 12. Parce qu'on se dit entre 10 et 12, c'est suffisant pour comprendre, c'est un échantillon suffisant pour comprendre ce qui se passe. C'est un peu ce qui est admis dans la profession. Donc, et ouais, vous, demain, peut-être vous aurez 10 personnes sur ces axes. Aujourd'hui, on en a 4. Vous allez voir, c'est très compréhensible, demain, les 4. Donc là, j'ai l'utilisateur 1, 2, 3, 4, donc les 4 personnes que j'ai interviewées. Et je vais les placer sur ce grand axe. Ben, sur le déjeuner, la façon de déjeuner seul ou à plusieurs, on en rencontre ben, les 3 premiers utilisateurs. Dans l'interview que j'ai fait avec eux et dans les post-it que j'ai notés où il y a marqué leur numéro, il y a des mots, il y a des verbatims qui signifient qu'ils aiment manger à plusieurs. Et que, contrairement à l'utilisateur 4, qui lui, franchement, il n'était pas du tout dérangé par le fait de déjeuner seul, d'être avec soi-même, de se retrouver, et ça lui faisait plaisir. Teneur pareil, là je place mes utilisateurs sur l'idée de est-ce que c'est sain ou gras, et je me rends compte que bah, les garçons, ils avaient émis dit des mots, fait des phrases, formulé des phrases que j'avais notées sur des post-it. Utilisateurs, du coup, c'était les 2 et 3, où bah, par rapport à cette thématique-là, ça les importait, mais pas trop. Le gras, ça les dérangeait pas. En fait, ils n'allaient pas chercher un burger sain, ils n'allaient pas chercher le repas sain. Ils allaient chercher un repas qui leur fait plutôt plaisir. C'était plutôt dans cette idée-là. Contrairement aux deux filles qui, par exemple, elles, cherchaient quelque chose de plus sain. Et on l'a pu le voir, par exemple, elles, en termes de fréquence, ça allait être une fois, deux fois par mois, alors que là, avec sur ma barre, où je vois les garçons, ils sont plus à droite, ça va être plutôt 4, 5, 6 fois, voire plus. Et on remarque quand même que les filles ne sont pas complètement à gauche, parce que sinon ça voudrait dire qu'elles veulent vraiment quelque chose d'hyper sain, du coup elles ne mangeraient pas pour de burger, donc ce ne serait pas logique. Donc elles veulent quelque chose de sain, mais en même temps, c'est bien le regard des fois. Pour les ingrédients, pareil, on se rend compte, là en fait, en posant les utilisateurs grâce à toute la donnée de post-it, on déplace le post-it comme ça sur le tableau. Et du coup, on les place après sur nos grands axes. Ben, on se rend compte pendant les filles, là, elles étaient plutôt intéressées par le fait qu'un burger il soit bien fait, qu'il y ait plein d'ingrédients dedans, qu'il y ait une vraie variété de goût, entre guillemets. Alors que ben, du côté des garçons, et ça c'est vraiment pas moi qui l'ai fait, c'est ce qui est ressorti des interviews, ben, c'était pas hyper important. C'est que tant qu'il y avait ce qu'ils aimaient dedans, ils s'en foutaient qu'il y ait pain, salade, de tomate, c'était fou. Il y avait le steak, c'était bon, quoi, c'était parti. Et pour la culpabilité, c'était plutôt les filles qui étaient très coupables, en fait, de manger un burger. Mais je me rends compte que parmi les deux garçons, ils n'ont pas le même avis. Il y en a un qui s'en foutait qui est de manger le burger, alors qu'il y en a un. Alors qu'il mange du gras, hein, il ne mange pas forcément très sain, il était quand même coupable. Et du coup, bah là, je vois qu'il y a une différence. Pareil en haut pour les filles, ils sont pas complètement pareils. Il y en a une qui détestait manger seule dehors. Ouais, le sortir dehors, c'est manger avec ses potes. Alors qu'il y en avait une qui vraiment prenait plaisir à manger toute seule. Et là, vous remarquez qu'il y a souvent des similitudes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des utilisateurs qui se retrouvent à peu près aux mêmes endroits sur les barres. Une fois, deux fois, trois fois. Et ça, vous allez le noter. Ça, vous allez faire avec de la couleur comme vous voulez, mais ça, c'est ce qui va vous intéresser. Ça, c'est ce qu'on appelle des patterns comportementaux.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont peut-être radicalement différents, qui n'ont pas vécu la même vie, qui n'ont pas dans des endroits différents, mais à l'heure du déjeuner, sur la thématique burger, ils adoptent un comportement qui est très proche sur des thématiques données. Et donc, par exemple, on peut voir que les garçons, qui étaient honnêtement très différents, il se trouve qu'ils aiment tous les deux manger à plusieurs. Ils adoptent le même comportement quant à la teneur, ils adoptent le même comportement quant à le fait, les ingrédients à l'intérieur, etc. Et moi, grâce à ça, grâce à ces petits axes, je le vois, ça, je le remarque. Et en fait, ces deux personnes qui, alors qu'on a l'impression qu'elles sont différentes, elles ont un même comportement pour ça. Et du coup, je le note pareil pour les filles. Je vois qu'elles ont des comportements et des patterns comportementaux qui sont très similaires, en fait. Et c'est grâce à ça que je vais être capable de fabriquer et de définir mes personas. Parce que vous voyez tous les patterns verts et les patterns rouges, en fait, c'est ça qui va être la base de mon persona. Je vais en rouge, et du coup, un pattern comportemental qui va être mon persona primaire, et du coup, on lui trouve un nom par rapport à ce qu'on a pu noter de la donnée. Donc, par exemple, là, on note que ce comportement-là en rouge, c'est un comportement en rouge, en fait, est un comportement qui aime qu'il y ait de la variété dans ses plats, qui, par contre, a une très grande culpabilité, même alors qu'elle se fait plaisir. Je l'appelle le gourmet coupable. Et l'autre, c'était plutôt le bon vivant indifférent. C'est quelqu'un qui aime manger, mais qui était plutôt indifférent quant au fait de ce qu'il mange. Et c'était ce qui ressortait le plus. Et ensuite, vous allez définir si ce sont des primaires ou secondaires. Ça, c'est important. Parce que vous travaillez pour qui? Moi, je travaille pour une enseigne de burgers qui se veut responsable. Donc, je me dis, le gourmet coupable est forcément une personne qui est beaucoup plus intéressante pour mon client. Ça ne veut pas dire que le bon vivant qui est indifférent n'est pas intéressant. Lui aussi, il viendra manger dans l'enseigne. Mais quand je vais développer ensuite des idées, réfléchir à la suite du projet, ce qui est possible de faire dans l'enseigne, pour quoi que ce soit, la première personne que je regarderai pour une prise de décision, pour réfléchir à tout, c'est d'abord le gourmet coupable. Parce que c'est d'abord ce persona-là qui est intéressant pour cette enseigne-là, en 2019-2020. Après, ça peut changer. Ça, on le verra, ça fait aussi partie des limites. Et une fois que vous avez ça, cette base, il vous reste plus qu'à les rédiger. Donc, comme tout à l'heure, on a vu avec le fameux Marc Dupré, vous reprenez un template, et vous commencez à écrire ce que vous avez pu constater pour un comportement, ce que vous constatez pour un autre comportement. Et vous pouvez souvent rajouter les besoins, les frustrations. Ça, c'est des must-have à avoir. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est le verbatim. En vrai, c'est hyper pratique parce que si c'est pas clair pour vos autres personnes de votre équipe, les besoins et les frustrations, quand ils lisent les verbatims, tout de suite, soit ils vont comprendre, soit ils vont faire une réflexion qui va vous engager la conversation. Parce que les verbatims, en fait, tu peux pas les discuter. C'est pas toi qui les as écrits. Parce qu'il y a ce problème de l'auteur qui écrit. C'est aussi une limite. Décidément, on va vraiment parler de ces limites. Là, le verbatim, c'est le mot pour mot de la personne à dire. Du coup, c'est sûr, c'est de la bonne qualité de données. Du coup, on s'appuie sur ça pour être d'accord sur qu'est-ce que c'est des besoins, frustration, motivation, etc. Et là, vous voyez, par exemple, le nom, c'est pas Jean-Charles, je m'en fous de son nom. C'est le directeur de clinique en manque de considération. Il se trouvait que je travaillais pour des clients qui s'adressaient à des cabinets vétérinaires. Et du coup, j'avais un personnage que j'avais identifié, c'était un directeur de clinique en manque de considération. Alors, pour faire vos personas, vous avez, je vais vous mettre ça directement dans le chat, vous avez des petits outils pour ne pas vous casser la tête, tout écrire, tout faire vous-même. Vous avez en fait des templates déjà prêts sur certains sites que je vous mets dans le chat. Il y en a, ils sont pas tous, je vous ai mis les plus connus. Mais il y en a certains qui sont un peu bien cachés, si vous voulez, le template est un peu inconnu, puisqu'il y a des graphistes notamment qui sont très chauds sur Photoshop,
qui font des templates et qui, en fait, le mettent gratuitement à la disposition de la communauté, si vous voulez les utiliser. Je vous mets les plus connus. Et allez les voir peut-être pour commencer, pour faire un premier jet, c'est pas mal. Il y en a un que j'aime bien, c'est Make My Persona. Je voulais un petit peu vous les montrer, mais il est déjà 11h45, donc je vais passer à la suite. Et si à la fin, vous avez vraiment des questions et que vous n'êtes pas pressé, on essaiera de prendre 5 minutes. Sinon, je vous invite à regarder par vous-même. Juste petite note pour Extensio et UX Precia. Expressia d'ailleurs qui est connu pour ses expériences-là. Vous avez besoin d'abord vous enregistrer, c'est-à-dire de créer un compte et un temps gratuit de gratuité, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est il y a un délai de gratuité ou pas. Pour pouvoir après télécharger, vous allez voir dans Extensio, vous avez une catégorie UX Design, c'est très simple à repérer, et vous avez le template de persona et vous le téléchargez, vous allez pouvoir l'utiliser tout de suite. Sans vous prendre la tête, vous avez juste à remplir, changer les titres, changer le contenu. Hop, la suite. Tac. Les erreurs à éviter. Alors, j'ai essayé de vous en essayer le plus possible, mais on va voir les grandes erreurs qu'il faut vraiment éviter de faire. Et comment, en fait, tout au début, je vous ai dit, j'ai eu des bonnes surprises en cherchant Persona sur Internet et j'ai eu des mauvaises surprises. Et c'est un peu ça qui m'a motivé à faire ce webinaire aujourd'hui. La première, c'est la déduction personnelle. Ça, c'est un truc que j'ai vu en live et que j'ai lu sur des blogs. Et je me disais, mais enfin, c'est fou qu'il y ait cette idée-là, en fait, de se dire, bah, il faut qu'on fasse un persona, hop, on fait un gros brainstorming et on y va, on remplit le template, par exemple, en UXPress, on le remplit, parce qu'on fait un faible brainstorming. Alors que ça se trouve, il n'y a aucun commercial, donc c'est-à-dire que personne n'a jamais vu un utilisateur de sa vie, c'est juste que des préjugés et des stéréotypes. Ne faites pas de déduction personnelle, ne vous lancez pas dans un gros brainstorming pour faire un persona. Le brainstorming, c'est une technique du design aussi, qui est géniale pour créer, pour trouver des idées. Ça fait partie de cette grande phase d'idéation aussi. Mais ne l'utilisez pas pour fabriquer votre persona. Enfin, ou alors, vous avez toute la donnée avant. C'est-à-dire que vous avez déjà fait vos interviews, vous avez déjà fait des focus group, vous avez de la super donnée qualitative, hein, vous avez votre tableau rempli de post-it. OK, là, vous faites un brainstorming, ben c'est très, très justifié. Personne ne vous dira rien, vous êtes sur une bonne méthode, vous avez sûrement trouvé des choses incroyables et qui, j'espère, vont vous aider. Si vous partez de rien, de pas de nom donné, pour commencer un brainstorming en mode, ben, on va déduire de ce qui va se passer, je vous garantis que ces personnes-là, vous allez les ranger quelque part. Ils vont jamais vous servir et que ce sera du temps pris sur des projets qui ne serviront à rien. Donc du temps qui n'est pas utile. Le deuxième truc à éviter absolument, c'est le surplus d'informations. Et ça, je ne l'ai pas vu en live, celui-là, pour le coup. Mais je l'avais lu sur un blog. C'était quelqu'un qui conseillait, en fait, d'avoir le maximum d'informations possibles. Mais vraiment, le maximum. C'est comme on l'a vu tout à l'heure avec Marc Dupré, le fait qu'il ait deux enfants, qu'il habite à Poitou-Charentes et qu'il aime la pétanque. Et tout ça, l'idée, comme c'était écrit, c'était mais récupérer le maximum de tout. Genre, tout ce qui passe, vous le récupérez, alors que non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez faire un persona, utiliser cette méthode-là de façon qualitative, il vous faut des données qualitatives. Et du coup, bah, vous ne récupérez pas tout et n'importe quoi. Le Marc Dupré qui avait un projet dans le transport, je m'en fous qu'il joue à la pétanque, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui. C'est ce genre d'information, le fait que son père soit boulanger, je m'en fous. C'est ne récupérez pas tout. C'est pour ça qu'on fait des guides d'entretien. Hein. Pendant les interviews, c'est justement parce qu'on essaie de guider, sans brusquer, la personne à nous confier à donner des infos sur des thématiques qui nous intéressent. Pareil, tout ce qui est guide d'entretien, comment faire un entretien individuel, etc., ce sera l'objet sûrement d'un autre webinar, d'une autre formation, on va pas le voir maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Il y a le persona synthétique, ça c'est une grosse erreur. En fait, c'est difficile parce que vous allez voir la prochaine erreur, c'est exactement l'opposé. Celui-là, il est difficile à repérer, c'est parce que souvent, on tombe sur le cas où on se dit, ah ben, les comportements ils sont vraiment similaires entre les deux personnages que j'ai identifiés. Par exemple, le gourmet coupable et le bon vivant indifférent, en imaginant qu'il ne s'appelle pas comme ça,
sont réellement différents. On se dit, bah, c'est bizarre, c'est quand même. Il y a énormément de choses qui se regroupent. Allez, on fait un seul super persona. Et comme ça, c'est plus facile. On n'a qu'un persona sur lequel se baser. La documentation à passer au reste de l'équipe, c'est un persona. C'est plus simple. Allez, on fait ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que tout l'intérêt, en fait, de donner ces catégories primaires et secondaires, c'est parce que vous devez avoir normalement des comportements assez différents qui justifient ça. Si dans vos interviews ou si à la fin de votre récolte de données, vous commencez à faire des personnages, vous vous rendez compte que vous avez un seul personnage ou vous en avez fait cinq, mais qu'en fait c'est cinq fois le même, que vous pouvez tous les mettre dans un seul, c'est qu'en général, vous avez un problème de données. Donc, soit vous l'avez mal fait, soit vous l'avez pas assez récupéré de données. D'ailleurs, pour la donnée sur la partie post-it, quand vous commencerez à poser vos post-it, etc., ça peut arriver, quand vous faites vos grandes catégories, je vais revenir sur la salade, ce sera plus simple pour vous de visualiser. Quand vous faites vos grandes catégories, eh bien, il se peut qu'il y ait un petit post-it qui traîne, qui rentre dans aucune catégorie. Eh bien, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Même si c'est une information que vous dites à la base, c'était vraiment hyper intéressant. Bah, il arrive que ça rentre pas dans les catégories, c'est normal, il ne faut pas le forcer, il ne faut pas créer une catégorie exprès pour lui, parce que ce serait du coup totalement biaisé. Et les grandes catégories qui ressortent, c'est le comportement utile, du coup les comportements que vous allez utiliser. Si ça arrive qu'on ait des petits post-it qui rentrent nulle part, ouais. Du coup, ce sont de la donnée qu'on appelle anecdotique. On revient là, on en était, donc c'est-à-dire au surplus, donc en mission. Non, on en était au persona synthétique, c'est ça. Alors, Isabelle, tu me dis, quel nombre maximal de personas doit-on utiliser selon vous? 2, 5, 10. En général, j'en utilise maximum 3. Parce que je considère que si je fais 5 personas, c'est que il y a énormément de comportements différents et du coup, c'est très très gros projet avec énormément d'utilisateurs qui ont vraiment sont radicalement différents. Et quand tu en fais 5, ça veut dire que tu as fait beaucoup d'interviews, tu as énormément de données. Avec 8, 10 interviews en général, c'est difficile de faire plus de 3 personas. Déjà, en faire 2, c'est bien, t'en fais 3 parce qu'il y a un truc qui est évident, ok, mais en faire 5, c'est que soit il y a des personas qui vont trop se ressembler, et c'est ce qu'on est en train de voir sur le persona synthétique, c'est qu'il y a des personas qui vont trop se ressembler, tu vas vouloir fusionner ensemble, et ça, c'est justement la prochaine erreur. C'est ce qu'on appelle le persona élastique, supertransition. C'est que, en fait, quand on a 30 interviews, qu'on était 5 sur le projet, que chacun est parti de son côté sur le terrain, faire des interviews et qu'on a énormément de données, ouais, c'est complètement possible qu'il y en ait 5, 10, il y a des projets énormes. Tu verras qu'il y a des chercheurs qui ont fait des projets, mais des centaines et des centaines de trucs. Là, ouais, c'est pas étonnant qu'on ait vraiment énormément de comportements qui diffèrent. Pour ton projet, un échantillon qui sera utile, ce sera 10 personnes, enfin 10 personnes, ce sera 10 utilisateurs. 10 utilisateurs, tu fais 3 personnes maximum. Parce que sinon, le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vas avoir des personnes qui se ressemblent trop et du coup, que tu vas avoir besoin de fusionner. C'est pour ça que je disais que la première et la deuxième erreur sont difficiles. C'est que tu as des personnes qui ont tendance à fusionner des personnages alors qu'il ne faut pas y fusionner. Parce qu'ils ont vraiment des comportements atypiques et qui ne doivent pas être fusionnés. Et au contraire, il y a des gens qui ne veulent rien, rien fusionner du tout. Et du coup, on se retrouve avec des personnages en fait, qui sont pour la moitié de ce qui est écrit, en fait, c'est des copier-coller du persona 4. Enfin, du coup, non, c'est une erreur. Fusionne-les, fais un persona un peu plus complet et ça te sera beaucoup plus utile. Le persona élastique, c'est le persona où en fait on fait tout rentrer dedans. C'est le persona où en fait il a été mal catégorisé, il a été mal fait. Et du coup, ben, on a trop de choses qui peuvent rentrer dedans, trop de comportements qui ne vont pas forcément ensemble. Par exemple, en persona élastique, pour notre étude de cas là sur le burger, il peut être attentif à la composition de l'aliment.
En même temps, être plaisir coupable, en même temps, il mange gras, en même temps, il a un intérêt pour Lucie alors qu'il vient de manger gras et qu'il fait attention à la position. Et en même temps, il vient de manger seul et il y a trop d'informations qui rentrent en même temps et en fait, il y en a qui se contredisent et ça ne va plus. C'est que le personnage, il est trop élastique, on a tiré dessus pour faire rentrer tout ce qui ne rentrait pas. C'est pour ça que je vous disais dans les quatre grandes catégories avec vos post-it, mais s'il y a vraiment une donnée qui ne rentre dans nulle part, poussez-la, ne la laissez-la. Plutôt que de vouloir la faire rentrer absolument et au final, bah, vous allez la forcer à la rentrer dans un persona alors que ce n'est pas utile. Méfiez-vous de ça. Hop, on va terminer sur ça, sur les limites. J'en ai parlé plusieurs fois pendant le webinaire. Je vais essayer de vous résumer ça en 5 minutes max. Tout ce qu'il y a pu dire à propos des limites pendant cette présentation. Limite, en gros, ça fait référence notamment au fait qu'on est tous différents et qu'on a tous une éducation et un environnement différent. Et que même si on récupère de la super donnée, là j'entends, là vous avez fait un travail de fou, vous avez de la donnée hyper qualitative, vous connaissez la méthode par cœur, vous l'avez déjà pratiquée, eh ben, vous êtes quand même soumis à ces limites qui est, ben, au moment ou à un autre, vous allez devoir prendre votre template et commencer à rédiger. Et il y a des facteurs qui sont en fait soit psychologiques, puisque vous allez plutôt vous baser, vous avez plutôt un parcours atypique psychologie ou ergonomie ou sociologie, économie, ethnologie, en fonction de d'où vous venez. Et du coup, bah, votre écriture, et c'est pour ça que je parlais d'incompréhension et d'interprétation, n'est pas la même que la personne qui a fait le même travail que vous, a vu les mêmes personnes, avec exactement la même méthode, elle va réviser son personnage, ce ne sera pas la même chose. Parce que elle a un bagage qui est différent. Et ça, c'est à prendre en compte et c'est des limites qui existent sur les personnages parce qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs humains, tout simplement, qui font que même si vous travaillez votre méthode et que vous avez une donnée qualitative, c'est ce que je disais au début, vous ne pouvez pas être sûr à 100%. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui reste subjective. La méthode a pour but de maximiser vraiment les résultats de. Et les bonnes idées. Et ça ne veut pas dire que ce sera forcément une bonne idée et forcément une bonne prise de décision. Ça reste subjectif. Parce que derrière, il y a quand même quelqu'un qui l'a écrit. Quelqu'un qui lui-même ne peut pas être totalement objectif parce qu'inconsciemment, il a une éducation, il a fait des études en sociologie ou en psychologie, etc. Et du coup, ça fait qu'entre l'auteur 1 et l'auteur 2, on peut avoir des différences. Et c'est pour ça que c'est important, c'est le travail d'équipe. De pas le faire tout seul dans votre coin et de le redonner à vos équipes, mais de trouver le moyen de les faire participer à un moment ou à un autre pour que vous soyez sur la même longueur d'onde et que ce qui est marqué après, que les conséquences, en fait, elles soient minimisées. Voilà. Donc ça, c'était pour les personas. Dites-moi si vous avez des questions en plus. Si il y a quelque chose qui tracasse, il est 11h58, on a encore 2 minutes. Dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous avez apprécié, tout simplement. On va se dire sur une note de 1 à 5, mettez-moi entre 1 à 5 si vous avez apprécié la présentation. Comment vous avez trouvé, est-ce que ça a été clair pour vous? N'hésitez pas aussi, alors là je vais arrêter mon partage comme ça, non, je pas mon partage que je vais arrêter, n'hésitez pas à venir aussi si plus tard vous avez des questions que vous ne pensez pas maintenant, mais que là ou demain vous avez commencé un truc, vous dites ah, ça j'ai pas compris, vous voulez revenir, n'hésitez pas à venir me voir sur mon LinkedIn et à m'envoyer un petit message pour si vous avez une question. Pour me demander, ben ouais, est-ce que tu pourrais me répondre à ça? Ben, typiquement, là, la conversation que j'ai, c'est exactement ça. C'est la fenêtre que je suis en train de fermer, c'est quelqu'un qui avait des questions, justement, et j'ai pris le temps de lui répondre, alors que c'était 21h, parce que ça me prend 2 secondes. Et vous, si ça peut vous aider, ben, tant mieux. Si vous avez apprécié le truc et que ça vous dit de revoir d'autres webinaires, ben, évidemment, il va y avoir d'autres webinaires à venir. Hein, notamment sur les études, les entretiens individuels, il va y en avoir sur les expériences MAP, etc., etc.
Ouais, bien évidemment, si vous êtes, ça vous êtes intéressé par la démarche et que ça vous plaît, ce format webinar, ben revenez nous voir, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre de Piotine. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi venir sur mon profil pour mettre une petite recommandation. C'est un truc qui m'aide dans mon métier et qui, moi, me fait super plaisir parce que ça m'encourage, en fait, à continuer. Moi, je vais rajouter là, dans la minute qui vient, des trucs genre persona, machin. Et si vous avez envie, ajoutez-moi sur LinkedIn, venez me mettre des recommandations, etc. Céline, tu me dis très bonne présentation, 4 sur 5. Peut-être mieux gérer le timing accordé à chaque partie. OK, merci pour ton retour. 5 sur 5, il faut le mettre à pratique à présent. Ouais, totalement. C'est qu'en pratiquant, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour vous. Parce que ce sera beaucoup plus évident. Isabelle, tu me dis merci beaucoup, je dois vous quitter, bonne journée à tous et à tous. Bonne journée à toi, Isabelle. Bon courage pour la suite. Hélène, 4,5, super bien présenté. Je dirais pour bien finir, un exemple complet d'un personnel travaillé tout au long de la présentation. Bonne idée, Hélène. Ouais, je vais regarder si pour une prochaine fois, je ne peux pas vous garder ça. Parce que je vous en avais présenté un. Mais c'est vrai qu'on n'est pas resté hyper longtemps dessus. C'est vrai que ça peut être bien pour ponctuer totalement. Hyper cool pour chipoter. Ouais, non, mais t'as raison. C'est pour ça que je vous ai demandé des retours. C'est aussi parce que l'intérêt pour moi, c'est que si je fais un autre webinaire, ben, ce soit encore plus clair, ce soit encore plus cool pour vous. Donc, avec plaisir. Au contraire, avec plaisir. Voilà. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Dites-moi si vous avez autre chose. Sinon, ben, on va se laisser là. Il est midi 1. On avait. Réellement démarré à 11h03. On est dans le timing. Trop cool. Et bien, je vais vous laisser. Et vous souhaiter une excellente journée. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver le webinaire en replay sur YouTube, le YouTube de Pilotine. Je vais m'y mettre là ce matin. Je vais poster le replay. Et je mets évidemment dans le replay tous les outils que je vous ai postés pour les templates. Je vous mettrai un article que j'ai écrit. Qui sera si la présentation ou vous voulez regarder la vidéo ou que vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, vous n'êtes pas, vous pouvez pas, vous pouvez lire l'article aussi, etc., etc. Enfin bref, voilà. Bonne journée à tous et à bientôt, j'espère. Au revoir.